Bon allez, c'est parti, on se met en route. On est samedi 22 mai. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas filmé. Alors ça va être un peu hardcore, les magasins ont rouvert, les terrasses ont rouvertes. Du coup, les rues sont blindées. Bon, je sais pas si on peut dire qu'on a de la chance, mais il pleut. Du coup, il n'y a pas autant de monde que ça. Bon, j'avoue que depuis le départ du couvre-feu à 21h, j'ai pas encore roulé. Donc je sais pas du tout comment ça va sonner aujourd'hui. Il paraît que ça sonne un peu moins. Alors on va voir. Hein. C'est parti, on va se passer en ligne. Hop, on lance Deliveroo. On lance Uber. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas connecté à Uber. Bien sûr. Mon avis, il a demandé la photo, même pas. Allez, on a lancé les deux applis. Et on attend. Hop. Oh bah. Ça commence un carrefour Voipy. Allez. Merci. Bonjour. Gabriel. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne journée. L'immobilier. On peut pas faire là. Merci, bonne journée. Ah non, on n'aura pas attendu. Et au final, c'est à Voipy, mais pas si loin. Il y a quoi? 5 km. Ah là, on tourne à droite ici. Ok, rue de Metz. Normalement, c'est plutôt simple. Hop. Juste par où on va passer? On va passer par le centre du sol du monde. Alors c'est l'enfer ces rues parce que c'est pavé, ça glisse. Faut vraiment faire gaffe dans les virages. Waouh, cette rue sans voiture, c'est tellement rare. Bonjour, c'est votre coursier Uber? Oui, je vous aide. Merci. Vous pouvez entrer. Ah merde. Ah non, j'ai loupé. Comment? Désolé, j'ai loupé la porte. Elle est pas ouverte. Vous pouvez entrer. Merci. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour, toi. Oh bah c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Alors, le premier. Merci. Et le second. Merci. Et bonne journée. Au revoir. Merci. Wow. Ah, ça souffle. Oh, on va galérer avec ce vent. Ah, c'est vraiment bizarre. Le montant, il s'affiche pas. En fait, il y avait un truc bizarre. C'est quand je suis arrivé. Ça me disait, la commande elle est lourde au final. C'est deux sachets, easy quoi. J'espère que faut pas attendre un deuxième livre. Un Subway à Voipy pour 8€, mais bien sûr que oui, on prend. Hop, on va déconnecter des Deliveroo. L'épicerie saveur du Brésil, c'est quoi ça? Alors, Subway rue du Palais, let's go. Et pour le moment, ça sonne, hein. J'ai pas eu besoin d'attendre encore. Bonjour. 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 Désolé, mais c'est un peu la mer avec notre imprimante. Ok. Donc c'est pour ça qu'on est un peu là. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Combien de temps à peu près? C'est pour qui? Alors, Chloé.
Ouais, bah je patiente, merci. One eternity later. Hop, c'est validé, je vous remercie. Au revoir. 35, c'est au-dessus. Ah, c'est là. Hein? Ah, c'est là. Bonjour. Oh, pardon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, c'est la commande de Marc. Hop. Super, je vous remercie. Hop. C'est validé. Merci, à vous aussi. Au revoir. Alors, où est-ce qu'on va? Oui, bonjour, c'est votre coursier Uber. Je pense être devant, c'est bien la résidence étudiante. Ok, super, bah, je suis devant. A tout de suite, merci. Bonjour. Et voilà pour vous. Super. Bon appétit, bonne journée. Merci. Ah, c'est l'EHPAD. Bonjour, désolé pour l'attente. Ouais, y'a pas de soucis. Hop, alors je voulais juste la récupérer. C'est le sac ici. Bon appétit, merci. Bonne journée. Merci. Hop, terminé. Ah, ça y est, c'est tombé, les 6 €. Et alors, ah, c'est quoi? On a déjà perdu 30% de batterie. Donc, tant qu'il pleut pas, on va lancer une charge. Bonjour. C'est pour qui? Émilie. On est en train de la préparer. Ouais, bah, je patiente, merci. Soit vous patientez, soit vous l'annulez. Bah, combien de temps à peu près? Bah, il y en a bien pour 5 minutes. Ah, ok. Bah, je vais l'annuler alors. J'en ai une deuxième. On un petit peu. Ouais, pas de soucis, merci. Donc, 22 rue du Palais, le Robin Hot Dog, c'est bon. On va arrêter le Subway pour aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. C'est pour Pierre-Jean. Pierre-Jean. Ouais. Ok, ça marche, tant mieux. C'est validé, merci. Super. Merci, bonne journée. Également. Ça sonne un petit peu. Ça fait 20 bornes. C'est tranquille. Bon, par contre, Subway, on va éviter aujourd'hui, on va les refuser. Ils sont dans le jus depuis ce matin, là, il m'a annoncé 5 minutes, j'y croyais pas, du monde qu'il y avait en plus. Oh, c'est l'enfer ici. L'enfer du McDo. Donc McDo, on va refuser aussi. Few moments later. Bonjour, la commande pour Léa sur Uber. Hop, c'est validé. Merci. Merci. Alors, j'avais dit que je prenais pas les McDo, mais en vrai, il est payé 5 balles pour faire 800 mètres. Donc,
Et on peut même prendre le luxe de rouler doucement, vu qu'il y a des pavés. Bonjour, vous êtes Léa ? Ah, ok. Alors, est-ce qu'on a l'indication 740-4 ? Je vous remercie. Il y a un ascenseur, parfait. Sérieux ? C'est bien le 7 ? C'est bien le 7 hein, ici. Oh bah, je vais appeler, vous vous embêtez pas. Oui, c'est le 7. Elle me dit 4ème étage et il n'y a que 3 étages. Bon, on va appeler. Oh non, non, non. Oui, bonjour. Ok, parce que sinon je peux monter, mais vous avez mis 4ème étage et l'ascenseur, il n'y en a que 3. Ah bah ok, mais du coup c'est 3ème étage ? Ah ok, ça marche, merci, à tout de suite. Et voilà, merci. Un appétit, bonne journée. Voilà, 5,44€ pour avoir fait 800 mètres. Ça, c'est le genre de commande, il faut absolument les faire. Bonne journée, je vous remercie. Merci. Au Burger Kebab juste à côté. Donc let's go. Je sais même pas où est-ce qu'on va. Bonjour. La commande de Paulin. Bah il y a pas le E à la fin du coup. Paulin. Ouais. Combien de temps à peu près? 30 minutes. Ok. Bah salut. Merci. On a rien fait. Allez, je pense qu'on va faire un ou deux tours et on va s'arrêter pour y passer la journée dehors à attendre. Bon allez, c'est parti, 18h45. On fait la shift du soir et les rues sont blindées. On est encore en demande faite sur Deliveroo. Voilà. On sonne Burger Kebab, il va mettre 50 ans. Allez, on va voir. Alors, c'est la 8210 sur Deliveroo. Ah, je vais annuler du coup. Désolé. À 10 à 15 minutes, on annule. Bon bah voilà, on se prend un super temps maintenant. Ah, ça va être génial la livraison ce soir. Ici. Alors, on est en train de sonner. On a Di Clara, Longeville, ça va être des pizzas ça, pour 7 euros. Allez go, on va voir ce que ça donne là-bas. Voilà, on va prendre cher ce soir. On va putain de prendre cher. Bonjour. C'est... Alors, je galère avec la pluie. Hop, c'était ouais, c'est ça. Ok, super. Alors, est-ce que je peux juste les poser ici 2 minutes ? Comme ça, c'est au sec. Je vais les mettre tout de suite. Merci. Ah, c'est super, merci. Merci. Alors, où est-ce qu'on va? Ok, c'est à côté de Paul. Allez, c'est parti.
Non mais en plus, c'est même pas de la pluie, c'est de la grêle. Sa mère. Courage. On vient de livrer la première. J'ai pris une de ces sauces comme rarement j'ai pris à vélo. Putain, c'était l'enfer. Et maintenant je vais avoir froid toute la soirée, putain. Alors on vient de sonner un Boogie Burger au centre-ville. Ça s'est calmé. Mais là mon téléphone il est trempé. Je vais galérer avec les doigts moudés à accepter, à slider, ça va être le bordel. Donc je vais peut-être arrêter vite fait. Ça va me saouler. Oh, vous avez entendu ça? Un bel orage qui se prépare là. Putain, normalement il était prévu à 16h l'orage. Vas-y, vas-y. Allez. Allez, courage. Merci. Merci. Hop. Alors du coup c'est celle-ci, ouais parfait. Tac, c'est validé, merci. Allez, courage. Merci toi aussi. Merci. Oui bonjour, c'est votre coursier Deliveroo. Je pense être devant. Il n'y a pas les noms en fait sur la sonnette. Bonjour. Et je vous laisse la récupérer. Merci. Bon appétit, bonne soirée. Au revoir. Ça arrête pas de sonner hein, sur Deliveroo ce soir. Trap addict à devant les ponts, 8 euros, vas-y. Bonjour. Alors j'ai la 66-78. Ah oh, parfait. Au revoir. Bon ben voilà. Regardez, ici j'ai l'impression d'être dans Stranger Things, upside down. Bon ben voilà, on est 20 euros à 3 commandes. Bon, j'ai livré genre une heure et demie ce soir. J'ai croisé des potes en terrasse et je me suis arrêté bord des verres. Donc là il est 21h. C'est le début du couvre-feu. Et bien sûr, il se remet à pleuvoir. Donc on a fait 20 euros ce soir en 3 commandes. Franchement, ça va, c'est honnête, en une heure et demie. Donc là, on va aller poser le cargo et on revient à Metz sous la pluie. On avait pas assez froid.